Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc sur la découverte d'un jeu en démo. Vous avez pu voir le trailer juste avant. Le jeu sortira sur Steam le 26 mai prochain, donc très bientôt. Pour l'instant, vous avez la démo gratuite et c'est ce que je vais vous montrer de Castle Flipper. Alors pour les amateurs du genre Flipper, ça doit vous dire quelque chose. Donc house flipper, rénovation de maison, etc. Sauf que là, c'est l'époque médiévale. Donc, on va devoir rénover des maisons, des châteaux avec des meubles de l'époque médiévale. On aura aussi, comme house flipper, exactement des missions à faire. On va pouvoir agrandir notre terrain. On va devoir le restaurer. On va devoir améliorer et l'agrandir afin d'en faire un royaume. Pour cela, on va avoir besoin d'argent, comme dans House Flipper. Mais pour gagner de l'argent, on va devoir faire des missions qui sont situées sur le tableau qu'on va voir quand on va arriver un petit peu à notre QG, comme dans House Flipper, dans notre QG où on n'aura pas d'ordinateur et tout ça. Donc, c'est l'époque médiévale. Donc, ça va être bien branché médiéval. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, les quêtes et les missions qu'on aura seront sur un tableau. Ces missions vont nous permettre aussi d'obtenir des ressources comme du bois, etc. pour pouvoir fabriquer. Et on aura aussi des objectifs à réaliser. Donc, on y va. Ça, c'est ma partie test. Donc, je vais la supprimer. Et on est parti pour une nouvelle, pour faire la démo une nouvelle fois avec vous. Je l'ai fait plusieurs fois parce qu'au début, c'était pas très net, pas très clair. Il y avait des petits bugs. Bon, c'est une démo. On verra le jeu finalisé. Je vous ai mis le trailer avant. Ça vous permet de voir, effectivement, par rapport à la démo qui est un petit peu vide, je dirais. C'est un peu dommage. On voit pas tout. Bon, ça reste une démo. Mais le trailer avant, ça a permis de vous montrer tout ce que vous allez pouvoir faire. Et j'ai l'impression que c'est un jeu qui va être assez complet. Pour ceux qui aiment les jeux créatifs, vous allez devoir créer, construire, etc. Mais on va voir ça ensemble. On se retrouve à la fin des téléchargements qui sont, hélas, je trouve, au niveau de la démo. En tout cas, je ne sais pas dans le jeu finalisé ce que ça va donner. Mais c'est des temps de téléchargement assez longs. Donc, on se retrouve dès que c'est chargé. Alors, on est arrivé à notre QG façon de partir. Donc, comme ils nous... façon de parler. Comme ils nous disent... vous pouvez maintenant voir ce qui vous a été légué par votre grand-père, puisque dans le jeu, on a hérité d'une grange. Donc, à nous maintenant de faire en sorte de l'améliorer, mais aussi de faire notre premier travail. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir les pièces en or. Que l'on a. On a 1000 pièces en or pour l'instant. On n'a pas de pierre, on n'a pas de bois. On a un objectif, aller au tableau. Donc, ce ne sera pas un ordinateur. Hein. À l'époque médiévale, il n'y en avait pas. Donc, on va aller au premier objectif. Ok, donc comme on nous l'explique ici dans le tuto, c'est ici que s'afficheront les missions et les objectifs que l'on aura à faire. Donc, on va regarder tout de suite.
Donc notre première mission, c'est un camp en ruine. Donc on va devoir ramasser 50 détritus, réparer des palissades, réparer des... comment je pourrais appeler ça? Des défenses, réparer un espèce de, je dirais, de fourre-tout et couper deux gros arbres. Ok, donc on va prendre la mission. Donc on fait un petit peu le tour. Donc ça, ça va être notre QG, évidemment, qu'il va falloir le retaper, évidemment, qu'il va falloir nettoyer. Mais pour l'instant, hein, on va faire notre quête. Donc pour ça, il faut appuyer sur Q, ici. Et on va, comme dans exactement House Sweeper, comme ça se passe quand on prend les missions qu'on a à faire au niveau de l'ordinateur, ben là, c'est sur un panneau en bois. Ben oui, il n'y avait pas l'ordinateur à l'époque médiévale. Donc on y va. Je vous retrouve après le petit temps de téléchargement. Voilà, on arrive donc à notre première mission. Vous allez devoir commencer votre première mission. Pour la compléter, il vous faut au moins nettoyer à 80% et faire ce que l'on nous demande. Alors, en haut à gauche, on a donc 50 choses à ramasser. Donc, on va avancer. Ici, on voit que ça se met en surbrillance. Donc, clic gauche de la souris. Vous pouvez rebind les touches, hein, de toute façon, si vous le voulez. Donc, on a 50 détritus à ramasser. Hop. Voilà. Alors on nous dit aussi que là c'est une démo, mais après on va avoir des énormes maisons, on va y avoir des châteaux, on va y avoir plein de choses. Donc on a la touche Z que j'appelle moi, vous le savez si vous me suivez, l'œil bionique. Voilà, vous voyez, vous donnez un coup de la touche Z et ça vous dit exactement ce que vous devez ramasser. Ça peut être pratique parce que si c'est des grandes baraques, on risque peut-être galérer. Des fois, on cherchait dans House Flipper, on cherche, on se dit, attends, j'ai pas fini de peindre tel endroit ou j'ai pas assez nettoyé, il y a des trucs qui manquent. Là, avec la touche Z, on a le moyen de pouvoir voir ce qu'on a oublié et où ça se trouve. Donc ça, c'est assez sympatoche. Et à chaque fois que je ramasse, vous voyez, je gagne de l'argent plus des ressources. Ok. On a oublié une planche ici. On le voit quand même assez bien. Mais après, il y a un système de jour et de nuit. Donc, la nuit, on n'y voit pas très bien. Donc, ça peut aider. Si vous faites une mission de nuit, ça peut aider. Alors, on va d'abord finir de ramasser. On en est à 26 sur 50 de détritus à ramasser. On a une petite poule. Les graphismes sont assez sympas, je trouve. Hein. Alors, on va devoir réparer les parties des palissades ici, mais avec des petites planches en bois qu'on va trouver de l'autre côté. Mais là, pour l'instant, j'en suis qu'à 35 sur 50 à nettoyer. Donc, je vais d'abord finir ça. Chaque chose en son temps. Il y a plein de poupoules abandonnées, les pauvres. Je ne sais pas ce qu'elles mangent. Elles ne doivent pas voir grand-chose. Ok, ici. Hop. Des choses qu'on peut oublier, d'où la touche Z qui est pas mal. 49, il me manque un petit truc. Pour avoir déjà fait la démo, je ne sais pas où est le petit truc qui me manque. Vous voyez comme quoi c'est bête. Alors, j'ai dû oublier un truc ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Bon, on va faire ça. De toute façon, on va le trouver. Hein. Hop, on va mettre... Ici. On va prendre... Ah ben voilà, il est là, celui qui manquait. D'où on en est. Donc, on va prendre l'autre pylône. Ça sera fait. Hop. Donc après, on a réparé les palissades, réparé les barrières, les palissades et coupé les trois arbres. Alors, on a des points d'intérêt à chaque fois avec les petits triangles blancs. Je ne sais pas. Ça serait peut-être trop simple qu'on ait ça dans le jeu finalisé. Donc là, dans ma partie, il faut faire attention à tout parce qu'en fait, c'est quand même un monde ouvert. Vous allez pouvoir vous balader et il y aura des coffres à trouver qui sont dissimulés un petit peu partout sur la map. Donc,
Ça, je ne l'avais pas vu dans ma partie test. Donc ici, il y a, voyez, un endroit. Hop. Et là, qu'est-ce que je trouve? Un coffre. Et là, comme on vous explique, en explorant le monde, vous trouverez dans des coins, etc., des coffres cachés avec des items dedans ou de l'argent. Donc, hop, là, on a trouvé 1000 pièces d'argent. On va pas, comme on dit chez nous, cracher dans la soupe, 1000 pièces d'argent, c'est quand même 1000 pièces d'argent. Alors, ici, on doit couper les arbres. Donc, pour ça, on appuie sur Tab. On a le super balai magique comme dans Housekeeper. Et bon, ça n'a pas très logique pour moi. Casser un arbre avec un marteau, je pense qu'ils auraient pu mettre une hache. Mais bon, on a un marteau déjà. Donc, on a deux arbres à casser. Voilà, c'est fait. Maintenant, on doit réparer donc les palissades et les barrières. Ici, donc, on a les grandes planches qui sont faites pour les palissades en haut et les petites planches qui sont faites pour les petites barrières. Donc, on ne peut pas emporter plus de 2, de 3 sur nous, pardon. Donc, 3, on va les mettre là. Hop. C'est assez facile de maniabilité. Je vais y arriver aujourd'hui. 1, 2 et 3. Il m'a manqué une. On a la progression en haut à gauche. Donc il me manque une planche encore. On peut courir apparemment dans le jeu, mais moi ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un bug de la démo, je ne sais pas. Mais bon, à la limite, c'est un jeu comme les Housekeeper où on prend son temps. On aime bien, voilà. On aime bien explorer, regarder. Donc on va les réparer. Donc il nous reste 6 planches de palissade à réparer. Donc toujours pareil, je ne peux pas en prendre plus de 3. Vous voyez, ça me le met. Vous ne pouvez pas en porter plus. Donc on va monter à l'échelle. Alors vous voyez, on a une mini-map, une mini-boussole, je dirais. Donc on peut explorer, aller se balader, et essayer de trouver des fameux coffres. Donc un jeu relax, il n'y a pas de, effectivement, alors pas de dégâts de chute non plus. Ceux qui voudraient un jeu de baston, ben, ce n'est pas le jeu qu'il vous faut. Et ben, ceux qui aiment la construction, la créativité, ben, par contre, oui, c'est si vous aimez le milieu médiéval, il n'y a pas énormément de jeux hein, sur le médiéval. Là, je vous en ai trouvé 2 ou 3. Vous verrez ça sur la chaîne, mais il n'y en a pas énormément, à part Kingdom Come Deliverance, qui est le plus connu. Il y a A Plague Tale Innocence aussi, qui se passe à l'époque médiévale, et qui est magnifique aussi, que je vous avais présenté, vous avez la vidéo sur la chaîne aussi. N'y a pas énormément de jeux médiévaux, là j'en ai trouvé 2-3, donc je vous les montrerai ou je me mettrai en live sur Twitch. Mais il n'y en a pas énormément, énormément. Donc on a fini la mission, on l'a complétée, on l'a faite en 7 minutes, donc on retourne chez nous. Le temps de téléchargement. Et je vous retrouve ensuite. Alors, retour à notre maison, enfin notre QG. Donc là, on nous dit, félicitations, vous avez complété votre première quête. Maintenant, vous pouvez vous occuper de votre QG, je dirais. Donc, on va y aller. On va nettoyer tout ça. Donc, toujours pareil. On a en haut à gauche les objectifs. Alors 18 sur 30. Une petite musique médiévale en fond, fort sympathique, je trouve. Voilà. Ensuite, on va devoir casser une table. Et vous allez retrouver une petite chose qui est présente aussi dans Housekeeper et qui, moi, m'éclatait
par rapport au let's play que j'avais fait sur la chaîne, c'est le balai magique. Il est de retour, mais version médiévale. Donc on maintient le clic gauche et c'est magique. Et si on pouvait, comme je vous avais dit dans House Flipper, si on pouvait avoir le même à la maison, ça serait bien cool. Voilà, donc là on a fait tous nos objectifs ici. Donc avec le clic droit, hein, on clique sur le clic droit et on enlève le balai des mains. Donc là on voit qu'on a une autre mission. Hop. Donc là on va aller builder notre première maison, ou arranger notre première maison et y mettre des fournitures. On appuie sur Q. Donc là, on a comme dans House Flipper le récapitulatif de nos missions terminées. Donc nous, on va à celle-là. C'est parti. Donc là, on peut voir les différentes maisons, mais on va les regarder ensemble quand on sera sur place. Je vous montrerai un petit peu, voyez, on voit le château en fond, les différentes sortes de maisons qu'on peut builder, les différents éléments, on voit des lanternes, il y a différentes sortes de fenêtres qui ne sont pas présentes dans la démo. Donc à voir après au niveau du jeu complet. Je vous retrouve tout de suite à la fin du chargement. On se retrouve donc sur le lieu de la seconde mission. On va donc apprendre ici tout ce qui est au niveau construction, comment construire, le menu, etc. etc. Donc, comme vous voyez en bas, dans la barre de raccourci, j'ai des fondations, j'ai des murs, j'ai des portes, j'ai des fenêtres, j'ai des toits, j'ai des fenêtres à mettre dans le mur où il faut placer la fenêtre et des portes. Donc, on va avancer vers le point d'intérêt. Donc, avec Tab, on a un menu circulaire. Donc, ici, c'est pour construire. Ici, c'est pour choisir si vous voulez faire votre fondation ou vos murs en bois, je dirais en béton. Là, ce serait plutôt des pierres noires. Des pierres, et là, carrément en pierre blanche ou pierre noire. Voilà. Donc, on va prendre ici build. OK. Donc, ça nous dit d'avance ce qu'on peut faire. Donc, hop, on nous demande de mettre une fondation. Effectivement, c'est la démo. Donc, on nous mâche un petit peu le boulot pour nous montrer un petit peu. On sera livré à nous-mêmes après. Vous allez le voir dans la troisième mission où on va devoir rénover chez nous. Donc, pour mettre les murs dans la barre de raccourci en bas, on nous dit d'appuyer sur le 2, mais c'est le 2, non pas du clavier numérique, hein, vous ne trompez pas. C'est l'autre 2. Donc là, ben, je mets un petit peu ce que je veux, en fait. Hop. Ah non, je peux pas. En vert, c'est là où je peux poser, donc 3 murs. Et on me dit maintenant de mettre la porte, hop, les murs fenêtrés. Vous allez voir qu'après, dans la troisième partie, on va pouvoir, notre QG à nous, le faire comme on veut. Donc après, on nous dit d'appuyer sur 5. Là, c'est vraiment le tutoriel pour nous montrer. Donc voilà, hop, hop. Ici, on nous dit d'appuyer sur 6 pour mettre des fenêtres. Voilà. Évidemment, la porte. Voilà. Donc là, on nous dit d'appuyer sur Tab à nouveau pour prendre notre marteau, je pense. Donc on choisit, moi je vais prendre le bois. Voilà. Il s'équipe automatiquement du marteau. Et là, on n'a plus qu'à cliquer avec le clic gauche et ça se construit. On entend les petits oiseaux. Donc voilà, donc maintenant, pour les fournitures, les équipements de la maison, vous pouvez, on va nous montrer qu'on peut sélectionner des choses. Donc on a des lits, on a des cuisines, on a
Là, ici, dans cette maison, pour le tutoriel de la démo, on nous demande juste de placer un lit, un petit guéridon et une armoire. Vous allez voir qu'après, dans la troisième partie, comme je vous le dis, là, on va être livré à nous-mêmes. On va faire notre propre QG comme on a envie, quoi. Donc, pour ça, on va dans I. Et ici, on a les chambres. Voilà, vous verrez après, là, on ne peut pas parce que ça ne nous demande pas les cuisines, les salles de bain, les jardins. Alors, les jardins dans la démo ne sont pas accessibles. Ici, MISC, c'est un petit peu là où ils mettent tout le bazar. On peut y retrouver les torches dans la démo. Et là, le building, c'est tout ce qu'on a vu. Donc là, il nous faut un lit. Donc, on va mettre, disons, ce lit-là. Voilà. Vous voyez pas, c'est époque médiévale. Hein. Une armoire. Alors, on peut... Voilà, le tourner avec la molette de la souris. Et il nous manque un petit guéridon. Voilà. Donc, on a gagné 3000 pièces d'or. On l'a fait en 6 minutes. Donc, on retourne chez nous puisqu'on a fini la mission. Donc, c'est pas la peine de rester. Le temps de téléchargement. Et je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc on revient à notre QG. On nous dit merci beaucoup d'avoir joué à Castle Flipper. Souvenez-vous que c'est juste une petite partie de ce qui vous attend dans la version finale du jeu. Vous pouvez explorer et commencer à construire votre village. Pour le moment, vous pouvez sauvegarder votre progression. N'oubliez pas d'ajouter le jeu dans votre liste de souhaits de Steam. Afin d'être informé des mises à jour, etc. Donc, on va continuer. Donc, ça ne voulait pas dire qu'on avait fini la démo. Donc là, on va devoir, c'est la dernière partie de la démo, on va devoir nous construire notre QG. Alors ici, on va se diriger vers la petite loupiote. Donc ici, on peut agrandir, avec l'argent qu'on a, agrandir notre propriété. Donc, on va l'acheter. Donc nous, pour l'instant, on avait ça. Là, en dépensant 3000, on peut l'agrandir. Là, c'est verrouillé pour le moment. Mais vous voyez, après, on va pouvoir agrandir un peu plus et agrandir notre territoire, comme c'était dit au départ. Donc, on va prendre le 3000, on va l'acheter. Comme vous voyez, ça agrandit le terrain. Alors, une petite chose aussi sympa, c'est qu'on peut bouger les arbres s'ils nous gênent. Parce que là, on va construire notre petit QG à nous. Donc, bon, ces deux-là ne me gênent pas spécialement. Celui-là, je vais le déplacer. On va le mettre là. Celui-là, peu importe. Mais on va le virer d'ici. Ça risque de me gêner. Hop. Et là, on va voir le côté, c'est là où vous allez tester dans ces parties-là, la créativité. Donc, comme vous voyez, on a vraiment un truc redondant. Donc, ce que je propose, moi, c'est de casser. Hop. Je vais peut-être laisser l'entrée comme ça. Ça, je vais le laisser comme ça. Ça, je vais le casser. Je peux? Ouais. Hop. Ici, je vais casser. Donc, on va dans Tab, on prend ce qu'on veut, donc les fondas. Alors, admettons, ici, on pourrait mettre l'entrée avec notre cuisine, notre salon. Ici, on pourrait mettre une fonda. Alors ça me prend des sous à chaque fois, non? Apparemment non. Encore faut-il que j'ai les ressources, hein. Ok. Donc là, admettons, on pourrait mettre la salle de bain et là la chambre. Donc on va mettre les murs. On
mettre un mur là. Là, ça serait la chambre. Alors, il y a un système de jour et de nuit. Comme ça. Si, on va faire comme ça. Bon, je vous dis pas que je vais vous faire un super build parce que bon, j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire le build. Ici, on pourrait mettre une fenêtre. Là, j'ai tout rempli. Ici, on pourrait mettre une fenêtre. Voilà. Ensuite, on va mettre une porte qui donnerait dans la chambre. Une porte qui donnerait dans la salle de bain. Et là, je vais remettre un mur. Voilà. Alors ensuite, on construit. Donc, il va falloir que je fasse le toit aussi. Hop. Donc, je choisis en bois. Il s'équipe auto du marteau. Donc, on va construire. Ça l'a pris en compte ou pas du tout. Le bois. Voilà. Donc comme dans House Flipper, hein, quand on a 2 minutes, on essaye d'arranger notre chez nous. Et là, d'après ce qu'ils disent, il va falloir vraiment nous étendre pour faire notre royaume en fait. Donc à voir ce que tout ça nous réserve dans le jeu finalisé, hein, je dirais. Hop. Mais on retrouve bien le même système que House Flipper, hein, mais version médiévale. Alors, ici, j'ai un trou, apparemment. C'est chelou, ça. C'est bizarre. Alors, attendez. Peut-être on va casser parce que j'ai un trou là, ça me plaît pas. Hop. Je vais peut-être mettre un mur ici. Alors, j'avais mal placé en fait. Ensuite, ici, on va mettre la porte. Alors, il pleut. C'est ce qu'on entend, là, le bruit de la pluie. Il y a un système, comme je vous disais, de jour et de nuit aussi. Alors, maintenant, on va construire... toujours en bois. Voilà, donc là, on peut dire que c'est ou la chambre ou la salle de bain. Et là, la chambre... Ici, voilà. Ici, on n'a pas de toit. Un petit peu comment il se place de façon à pas être embêté. Voilà, on va reprendre notre petit marteau. Alors ici, on choisit le bois. Hop. J'ai peut-être mal placé ici parce qu'il y a un petit trou. Ah,
Non, il n'y a pas un petit trou, c'est que je n'ai pas mis de toit. Ou alors, je ne l'ai pas construit. Voilà. On a quand même un petit trou ici. Je pense que j'ai mal placé ce toit-là. Ou alors ce mur-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Du moment que vous voyez la démo. Donc, ensuite, ben, on va mettre des portes. Alors, hop. Au niveau des portes, on a plusieurs choix. On aurait pu faire porte double, mais là, on n'a pas accès au niveau de la... Ici. Donc, on peut interagir avec la porte. J'aurais peut-être dû l'ouvrir de l'autre côté. Hop, voilà. Ok. Ensuite... Ça, c'est les sols, hein. Les toits. Est-ce que j'ai les fenêtres? À part ça, je crois pas que j'ai les fenêtres. Hein. Misc. Fondation, mur. C'est dommage, là, j'ai pas accès aux fenêtres comme tout à l'heure. Ou alors, je n'y vois pas. On peut faire des maisons à étage aussi, on a des escaliers. Ok. Donc, on va aller dans inventaire. Alors, tout à l'heure, on a pu voir les chambres. Là, on peut voir qu'on a une cuisine, une salle de bain. Les jardins ne sont pas accessibles dans la démo. Ici, ce sont les torches. Et ici, les bulles. Donc, vous pourrez choisir la catégorie des maisons. Mais aussi, vous voyez, les châteaux. Donc, il y a quand même du potentiel, je trouve. Vous me direz ça dans les commentaires. Donc ici, moi, je verrais bien donc la cuisine. Donc, on va mettre une table. On va dire... on va mettre... allez, celle-là. Voilà. On va prendre une chaise. Enfin, des chaises. Hop. Mettre cela. Alors, pour pivoter, c'est avec la molette de la souris. Hein. Hop. Une là. J'ai peut-être pas... si, pourtant. Voilà. Okay, on a notre petite table. Ouais. Ensuite, on va mettre dans Misc. On va peut-être mettre une petite lumière là. Ici, derrière la porte, peut-être. Bon, ça éclaire pas de fou non plus. Hein. On va fermer la porte, on sera moins embêté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Peut-être, est-ce qu'il y a autre chose en meuble qu'on pourrait caler là? Les cabinets, j'en ai vu un par contre qui est rangé dans la salle de bain, mais qui dans la chambre, je veux dire, et qui irait très bien dans la salle de bain, dans la cuisine aussi, mais bon, histoire de voir un peu tous les meubles, je dirais celui-là, je trouve qu'il va très bien aussi là. À la cuisine, mais aussi dans la salle de bain. Je sais pas. Donc, on va mettre celui-là ici. Si on peut. Voilà. Ok. On va se garder de la place pour passer. Ici, on peut rajouter peut-être un petit cabinet comme ça. Ça ira bien dans la chambre. Ou dans la salle de bain. Voilà. Notre cuisine est faite. C'est dommage que je ne trouve pas les fenêtres parce qu'on peut interagir avec les volets. C'est assez réaliste. Alors, je sais pas, je mettrais bien la chambre ici. Peut-être la chambre là et la salle de bain. La salle de bain là, la chambre là. On va faire comme ça. Alors, on va prendre les lits. Tant qu'à faire. On va se prendre le plus cher. Hop. Qui n'est pas terrible en couleur, mais bon, on a l'époque médiévale.
Ensuite, puis il y a plus de choix, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura plus de choix au niveau de la... du jeu finalisé. Hop. Hop. Ici, je verrai bien le meuble que je vous disais, si ça veut bien passer. Celui-ci. Voilà. On va se mettre des lanternes aussi dans la chambre. On sent fenêtre, vive les courants d'air, mais bon. Alors, ne pas se tromper avec la lanterne qui est là, qui est une lanterne à main, je crois. Ah non, on peut la poser aussi au mur. Ah ben, pendant mon essai, ça ne fonctionnait pas comme ça du tout. Je ne pouvais pas la poser, je ne pouvais que la mettre à la main. Ce qui va éclairer un petit peu plus, je pense. Voilà. Vous pouvez la garder qu'à la main, c'est bizarre. Alors, on pivote jusqu'à ce que ce soit bleu. Hop. Est-ce que je vais pouvoir en caler une ici? Non. Apparemment, on peut les mettre que sur ce qui est... Voilà, les poutres comme ça. Bon, je pense que là, on est pas mal. Et là, on va mettre la salle de bain. Alors, bathroom. Alors, on a des différents éviers. Différentes baignoires. Mais il y aura d'autres meubles dispo au niveau de la version qui sort le 26 mai. Donc, on a posé notre évier, une baignoire. Alors, on a différentes baignoires, hein. On a un petit peu plus moderne. Je verrais plutôt ça dans les châteaux. Là, on est dans une maison vraiment rustique. Donc, je verrais bien ça plutôt là. Ensuite, ben, le meuble qu'on a mis dans la chambre, là, je le trouve au niveau... Voilà, celui-là, je trouve qu'il va bien dans la salle de bain. Ou plutôt, l'autre avec la glace. C'était dans le bedroom. Est-ce que je vais pouvoir le placer là? Oui. Non, c'est un meuble qui fait partie de la chambre. Alors, on a vraiment des meubles, on ne peut pas les chercher. C'est un petit peu bizarre cette affaire. Pourquoi je clique pas au bon endroit? Ben, s'il est là, pourquoi il me dit non alors? Peut-être parce que j'ai mal placé le truc là. Un petit peu dommage. Je peux pas le mettre là non plus, il veut pas. Bon, on va en prendre un autre, celui-là. Moi, qui veuille pas du tout le poser parce que j'ai pas posé la fondation comme il faut. Ça peut être ça. Je vais pas recasser, hein, pour vous montrer. Est-ce que je peux poser un meuble de là? Pourquoi pas? Je crois que c'est mon mur qui est mal placé et ça m'empêche de placer quelque chose là. Alors, bon, tant pis, je vais casser. Je ne sais pas ce que j'ai mal placé en fait. La fonda. Alors, on peut faire plusieurs étages, hein, les escaliers, etc. Donc en bois. Ah, et ça m'a cassé. Ah ouais, non, mais pas du tout.
On a intérêt d'être minutieux quand même. Hein. Donc une fondation. Voilà. Non, elle n'a pas voulu se placer. C'est fleur en fait. Aïe aïe aïe, je crois que je vais plus pouvoir la poser. Il faut que je recasse. Bon. Bah, écoutez, on va pas s'embêter. On va faire un truc. Hop. Ah, et je peux plus poser. Ah, j'ai plus d'argent. Oh, d'accord, c'est pour ça. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai plus d'argent, je cherchais qu'est-ce qui se passait, mais pourquoi je peux pas. Alors attendez, on va casser. J'ai pas fait gaffe. Hop. Hein, 86 de pièces. Ok. Une toute petite salle de bain. Ouais, j'ai pas fait gaffe à mon budget. Ok, donc la salle de bain, on va la faire là. On va faire... je ne sais pas trop comment. Peut-être pas mettre deux. Alors là, j'ai pas de lumière. Hein. Il y a un système de jour et de nuit. Pourtant, il y a bien des lanternes. Hein. J'espère que dans la version finale, par contre, ça sera. Alors, là, je vois absolument rien. On va casser c'est vraiment nuit noire hein. J'ai cassé la porte là. Ouais, on pourrait faire un truc bête et méchant hein, mais bon faut faire attention à notre argent. Alors on pourrait peut-être mettre un mur ici. Voilà, alors la porte, on l'a. On boit. Voilà. Et puis. Que je peux voilà qu'on fasse gaffe à notre argent vu que là on a que 3 missions à faire hein. J'ai pas fait attention, résultat voilà. Alors là par contre on pourrait peut-être mettre vous allez me dire c'est pas très logique à la salle de bain dans la chambre, mais on reste dans un truc restreint donc on peut mettre la baignoire là à la limite. Là, on a tout qui est fermé. On peut remettre une torche. Mais je trouve pas que ça éclaire énormément. C'est dommage. Hop. Ici, on a toujours notre porte. Oui. Et après, on l'améliore petit à petit. Hein. Est-ce qu'on peut mettre l'évier à côté? Voilà.
Bon, vous me direz à côté du nid, machin, truc, mais on est à l'époque médiévale. Et donc, je peux remettre mon meuble là. Celui-là. Non, j'ai pas assez de sous. Je suis une pauvre. Combien il me reste? 110. Écoutez, on va mettre celui-là. Celui-là, il coûte 200, c'est pour ça que je ne peux pas le mettre. Une armoire, peut-être. 200. 100. On va mettre celle-là, on va dire. Ça devrait passer. Voilà. Alors, on a donc notre cuisine, notre salle de bain dans la chambre, mais on est toujours à temps d'améliorer. Par contre, je ne trouve pas du tout les fenêtres. Ça, c'est très dommage. Dans les murs, elles y sont pas. Peut-être dans la version finale, on a vraiment les windows. Ben voilà. Mais j'ai plus de sous. Alors, je préfère mettre des fenêtres quand même qu'un meuble. Donc, on va casser ceci. Est-ce que je vais pouvoir mettre les fenêtres que je puisse vous montrer? Hop. Wall. Window. Où je les ai trouvées? Là. Voilà. Bon, si je peux pas les mettre partout, tant pis. Au moins que vous voyez. J'ai plus assez d'argent. Voilà, on va casser. Ah ouais, on est restreint là dans la démo. Hein. Il y a un vent terrible dehors. Je vais casser les deux loupiottes qui sont là. Hop. Ça. 110, ça vaut 50 quand même, ça. On dirait pas, mais. 50, j'en ai peut-être mis trop là. Surtout que ça éclaire que dalle. Et là, peut-être qu'on peut mettre les fenêtres. Ok. Voilà. Et là, on peut les mettre. Voilà. Il nous reste 160. Alors, 160. Un petit meuble là quand même, ça. On va remettre une étagère à 100. Le jour se lève. Voilà. Alors, vous voyez, on peut interagir avec les petits volets de dedans. Le jour se lève. Par contre, on ne peut pas interagir pour prendre un bain ou faire couler de l'eau. Hein. Ça reste de la déco. Et de dehors aussi, on peut interagir, vous voyez, avec les fenêtres. Alors, je vais essayer de prendre comme j'avais tout à l'heure. Et là, je peux plus. C'est chelou, cette affaire. Tout à l'heure, je l'avais dans les mains, la torche. Hein. Donc, hop, là, on peut interagir avec les volets qui s'ouvrent. Je ne sais pas si vous y voyez. C'est un peu embêtant. Hop, c'est très sombre pour vous montrer et j'arrive pas. Tout à l'heure, je pouvais équiper ma torche dans la main. Non, c'était bien celle-là que j'avais pris, hein. Planque torche. Mais j'ai plus assez de sous, de toute façon. Le jour se lève, donc. Bon, on va pouvoir l'améliorer après petit à petit, hein. Peut-être au fur et à mesure où on aura l'argent dans le jeu final, passer du bois à la pierre. Le but, c'est qu'on fasse un château et qu'on ait un maximum de territoires qui nous appartiennent. Bon, là, je me suis pas embêtée, j'ai fait que des murs sans fenêtres. Alors, on y voit un petit peu mieux, le jour se lève. Donc, vous voyez, on peut, là, vous avez les petites fenêtres avec les petits barreaux, comme c'était vraiment à l'époque médiévale. Et là, vous voyez, on peut, hop, fermer.
ouvrir. Moi, je trouve ça assez réaliste, assez sympa. Vous voyez, là, j'ai ouvert tous les volets. Et on peut les refermer de soi. On va pouvoir travailler nos jardins. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans la version finale? Je ne sais pas. Ils n'en disent pas plus. Vous avez eu le trailer avant. Donc, il nous reste 62 pièces dans notre partie là. Et 41 planches. Et on a bien des toits partout. Je vérifie quand même parce que bon. Et après, à notre gré, hein, on casse, on refait, on agrandit. Voilà, c'est un jeu. Voilà. Pour l'instant, on n'aura plus de mission. C'est la fin de la démo. Après, bon, c'est un open world. Comme vous avez pu voir, on pourra se balader, trouver des coffres. Je l'ai fait dans ma version. J'ai testé dans la version précédente. Je ne peux pas me déplacer plus loin. Ça me dit de retourner en arrière. Donc, j'ai fait le tour de la maison. Il n'y a pas de coffre ici. J'en ai pas vu. Là, on pourrait acheter, mais on n'a plus de sous, on est fauché puisqu'on n'a plus de mission à faire. On ne peut pas miner, pour l'instant, du moins pas dans la démo. Je fais le tour ici, mais bon, je crois pas qu'il y ait grand-chose. Parce que je l'ai fait tout à l'heure et il n'y avait absolument rien autour de la maison. On va faire penser à fouiner, à aller fouiller, Oh, c'est orage dans le jeu. Et essayer de trouver des coffres, mais en tout cas, autour de la maison, c'est pas à peine que je m'aventure, j'y teste, hein. M'aventurer un petit peu plus loin là-bas, ça me dit de retourner en arrière. On est quand même assez limité dans la démo. Alors écoutez, ben, on en reste là pour cette démo de Castle Flipper. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, il est assez fluide, il est joli. Il y a des tempêtes, il y a de l'orage, il fait soleil, on a le cuit-cuit des oiseaux. Moi je trouve graphiquement sympa. A voir après, je vous dis, à sa sortie le 26 mai, ce que le jeu va donner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez le tester vous aussi, eh bien, écoutez, vous avez la démo qui est gratuite sur Steam. Comme je vous dis, je ne sais pas si le développeur, certains le font. Mais est-ce qu'ils vont nous laisser la démo une fois que le jeu sera sorti après le 26 mai? Je ne sais pas. Mais à ce jour, le 21, ou je ne sais plus quel jour on est là, quand je tourne, en tout cas il est encore dispo sur Steam, donc à vous de voir si ça vous intéresse de le tester, de vous faire une idée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Pour les gens qui ont aimé House Flipper, ben, vous retrouvez du House Flipper mais version médiévale, donc Castle Flipper. Donc voilà, pas d'ordinateur mais un tableau, et à voir après au niveau des missions, etc. Plus ça va aller, plus les maisons vont être grosses, plus on aura des travaux à faire, jusqu'à des châteaux, et développer effectivement notre empire. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, j'attends vos retours, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.